bah, ça doit faire mal. Ça pique un peu. Ouais. Ça pique un peu, hein, ça c'est sûr. Quand vous aurez un petit peu la maîtrise du jeu, vous pourrez réaliser des petits combos sympathiques comme ça. Bonjour à tous, c'est Rico et bienvenue dans Featuring Rico. Aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis accompagné de... Jagan, ça fait longtemps. Jagan, Sunderland, ça fait extrêmement longtemps. Aujourd'hui on se retrouve sur un jeu Deception 4, le quatrième volet de cette série. Blood Ties qui est sorti le 27 mars 2014 que sur, c'est une exclusivité PlayStation 3 et PS Vita. Et c'est développé et édité par Tecmo Koei. Oui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tecmo Koei, Dynasty Warrior, Ninja Gaiden, etc., etc. Ça rappelle. Il n'y a que pour faire un truc, un jeu dans ce genre-là. Pourquoi? Parce que ce Deception 4, bah, c'est un truc vraiment à part. Bah, c'est la première fois que je vois ce genre de jeu. Après, je connais pas les opus précédents, mais même si c'est dans la même continuité, si c'est le même type de jeu, ça a le mérite d'être vraiment original. Ça peut peut-être pour certains rappeler certaines choses sur PlayStation 1. Hein. Il y avait déjà le 2 qui était disponible sur PlayStation 1 à l'époque. C'est déconseillé au moins de 16 ans. Mais alors franchement, je me demande si le PEGI 18 n'était pas nécessaire sur celui-là. Hein. C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que les gens de PEGI ont bossé le jeu jusqu'au bout? Je ne sais pas. Après, il n'y a pas non plus une violence excessive à l'écran. Enfin, c'est violent, l'acte est violent lui-même, mais ils n'ont pas exagéré l'hémoglobine, il n'y a pas de démembrement intense. Donc bon. Ouais, c'est très simplifié, mais il y a quelque chose dans ce jeu vraiment qui nous force, malgré un petit peu la redondance. Vous allez le voir tout de suite de quoi il en recourt. C'est-à-dire que voilà, qu'est-ce que c'est Déception? On va vous le dire tout de suite, vous avez pu le voir tout de suite dans cette vidéo d'introduction. C'est on joue la fille du diable. Ouais. Voilà. Qui est accompagnée de trois autres jeunes femmes qui sont ses acolytes. Alors les noms, je ne saurais plus quoi vous dire les noms parce qu'on vient à peine d'entamer le jeu et on est arrivé parce qu'il y a un mode histoire. Oui, il y a un mode histoire. Un mode histoire scénarisé qui est bon, c'est un peu banal dans... C'est pas vraiment le point fort. Non, c'est pas le point fort. Le scénario, c'est pas le point fort, même si le chara-design est assez intéressant. On est dans quelque chose qui est quand même très Japon. Hein. Ah oui, bah de toute manière, un jeu comme ça, je pense qu'il n'y aura pas de publicité dessus. C'est quelque chose de... c'est vraiment quelque chose qui... C'est vraiment quelque chose de niche. Je pense que c'est un jeu de niche, Deception 4. Pourquoi? Vous allez voir tout de suite, Jagan est aux commandes. Et le but de ce jeu, bah voilà, c'est de tuer ses adversaires. Mais là, on va pas y aller à l'épée. On va pas y aller avec des katanas, on va pas y aller avec des pistolets, on va pas non plus se dissimuler, on se montre à la vue de tous. Et le but, c'est de tuer ses adversaires avec les pièges qu'on nous fournit à notre disposition, comme vous pouvez le voir. Des pièges à loups, des bombes, des murs qui bougent, voilà, tous des pendules qui découpent, enfin, tous des pièges qu'on peut retrouver traditionnellement dans des donjons. Et ça va être ça, tuer justement des gens. Qui viennent, parce que nous, ce qu'on veut faire, l'histoire un peu principale du jeu, c'est réveiller quand même Satan. Hein, c'est vrai. Alors, on est la fille du diable, on est accompagné, donc voilà, ce qu'on veut faire, c'est... apparemment, il y a 12 saints versés, c'est ce qu'il raconte. Hein. Donc voilà, hein, ça c'est le personnage principal. Je sais même plus le nom qu'il y a là, c'est la jeune fille. Faudrait refaire le mot d'histoire, mais enfin bref, c'est pas le plus important, parce que le plus important, vraiment, vous allez voir, ce qui est vraiment fun, c'est... d'esquiver ses ennemis tout en faisant sorte qu'ils rentrent dans nos pièges. Là, vous pouvez voir un peu en bas à droite les 4 pièges qu'on a à notre disposition. Ah, attention. Boulum, voilà, un gros rocher sur sa tête. Et alors, bien sûr, on peut réussir à en prendre 2, 3, maximum 3 ennemis sur la map. C'est franchement des fois pas évident à gérer parce que ça peut être de tout type. Ça peut être des archers, des assassins, des guerriers, des magiciens. Et croyez-moi que nous, tout ce qu'on peut faire, c'est courir et poser des pièges. Alors, les pièges ont bien sûr un cooldown, un temps d'installation. On peut à chaque fois les retirer, les remettre. Alors là, je sais pas, parce que là, tu l'as envoyé dans je sais pas où. Bloum, bah voilà, ça se reprend encore un piège derrière. Dans le canon, bim, voilà, il y en a un qui se prend. Il s'est pris encore un piège derrière. Lui, il est déjà mort. Ah, lui, il est terminé. Donc là, je vais essayer de capturer Monique. On va essayer de capturer Monique. J'ai pu tourner le canon parce qu'il y a pas mal d'interactions dans le niveau. Ouais. Avec les éléments du décor. Et ouais. Alors, donc on a aussi des capacités spéciales. Là, on a pris les capacités spéciales de soins. Et aussi la capacité qui permet de jouer un piège supplémentaire. Ici, avec la touche carrée. Donc, on peut aussi se prendre les pièges. Si on ne fait pas attention, on se prend les pièges du décor. Donc là, on vient de se soigner ça avec la touche triangle. On l'a mis sur la touche triangle. On peut aussi la mettre sur la touche terrestre, c'est pas un problème. La touche rond qui permet de rentrer dans le menu. Donc là, Monique est complètement... elle est un peu niquée, Monique. Là, voilà, Monique est dans le rouge, du coup, je vais pouvoir la capturer. Attention à pas trop peut-être la tuer avant qu'elle rentre. Hop, et là, où est-ce qu'elle va aller? Dans le canon. Voilà. Et voilà, dans la cage, Monique. Allez, hop, capturée, c'est fait. Alors ça... Voilà, on a réussi à... Donc, on capture. Et on va gagner plus de points. C'est quand même un jeu de scoring, ce Deception 4. Ouais, on peut sauvegarder, bah voilà, en plus on obtient même un trophée, bah pourquoi, c'est magnifique, que demande le peuple. Alors, ce Deception 4, qu'est-ce qu'on en pense? Parce qu'on va pas, on n'a pas été suffisamment loin pour vraiment, je dirais, vous dire combien la durée de vie, tout ça, etc. Je pense qu'on est quand même à la moitié du mode histoire. Ouais. Après, niveau durée de vie pure, il y a des missions qui sont annexes au mode histoire et qui sont quand même au nombre de 100. Ouais, vous avez de quoi. Hein. Et au niveau rejouabilité, c'est juste énorme. Bah, c'est juste énorme puisqu'il y a une possibilité énorme en termes de pièges. Ouais. Ah ouais, ouais. Là, on a vraiment le choix. Au niveau de l'achat, on n'a pas encore tout débloqué, mais par exemple, là, quand on va dans la liste des pièges qu'on n'a pas encore achetés, il y en a vraiment pas mal. Ah, des trucs plus ou moins drôles. Hein. Donc, il y a 3 styles. Donc, il y a l'élégance qu'on peut voir. Il y a le sadisme. Alors, ça, c'est plutôt mon style. Toi, t'es plutôt dans l'élégance. Ouais. Et l'humiliation, on a mis un peu de côté. Hein. Nous, on l'a mis un peu de côté, et pourtant, c'est ce qui a l'air d'être le plus fun. Ouais. On se retrouve avec des flèches adhésives, des maillets, des pots de banane, des yo-yo. Voilà. Ouais. C'est vraiment le truc pour humilier. Mais ça sert vraiment pour... La plupart du temps, c'est plutôt, je dirais, l'humiliation pour quelque chose de contrôle. C'est-à-dire que voilà, s'il tombe par exemple sur la tête de Citrouille, il ira dans une direction durant un certain nombre de cases. Donc voilà, les ennemis vont sur une map qui semble assez, je dirais... comme ça, assez vaste, on a quand même un nombre de cases prédéfinies via la map. Dans cette map, là on parle du mode histoire, dans cette map on peut en plus se balader, parce qu'on est quand même dans une espèce de château la plupart du temps, se balader dans d'autres salles qui vont avoir d'autres pièges. Après tout dépend de la... Ils vont avoir d'autres pièges, après voilà, ça dépend après votre map préférée. Si vous dites là je suis plus à l'aise dans cette map là, si j'ai envie de... je joue plus sadisme ou éloquence ou humiliation. Donc en fait le jeu a vraiment quelque chose d'immense où il peut être très restreint, mais ça va dépendre des joueurs. Oui. Parce que ça va vraiment dépendre si vous êtes quelqu'un de créatif ou non. Moi c'est pas du tout mon cas. C'est vrai que c'est plutôt... Je suis plutôt dans le vite fait bien fait. Du coup, on gagne pas beaucoup de points. Ouais. De ça. Non, mais c'est vrai. Alors, je fais pas beaucoup de combos. Moi, je joue sur l'efficacité, mais pas sur le style. Alors que toi, Jagan, t'es plus dans le style créatif, tout ça. Moi, je suis vraiment dans la brutalité pure. Le mec, faut qu'il crève, basta, on avance et puis c'est tout. Alors que bon, tu parlais des châteaux tout à l'heure, donc les malais. Voilà. Pour le coup. Ça, c'est un peu la map du premier niveau. C'est le premier monde, donc on peut se balader dans le château. Il y a plusieurs salles qui sont toutes différentes, qui possèdent des pièges différents, des décors différents, même si globalement on reste dans le même thème. Et donc c'est assez agréable, parce qu'en cas de difficulté, quand vous commencez dans une salle qui ne vous plaît pas, vous pouvez switcher, retourner sur votre salle principale, celle que vous connaissez, et remettre en place votre jeu de piège habituel. Voilà, donc il y a vraiment... c'est un jeu à la fois créatif, stratégique aussi, hein, parce que là... et attention, et la difficulté, parce que faut quand même en parler, moi je trouve le jeu quand même un petit peu corsé. Hein. Alors, pas donné à tout le monde de pouvoir réussir à jouer à ce jeu-là. Hein. Ceux qui ont l'habitude justement des tacticals, enfin moi je sais que de mon côté les Fire Emblem, ça n'a plus de secret, Disgaea c'est pareil, et ça passe plutôt facilement. C'est vrai que quand on n'est pas, expérimenté dans le genre, ça peut poser des problèmes. C'est vrai que je t'ai vu galérer à certains endroits. Ouais bah oui, parce que j'ai un style plus brutal. Bah voilà, là par exemple on arrive dans une espèce de chaudière, y a des pièges encore aussi qui sont déjà là. Par exemple si on essaie de marcher dans la lave, on va perdre des points de vie. Attention aussi à pas se prendre ses propres pièges, parce que même les pièges qu'on pose, parce qu'il y a les pièges du décor, on peut aussi prendre ses propres pièges à nous. Hein. Oui. Si j'ai oublié de le dire, je préviens quand même. Hein. Là, par exemple, s'il veut se prendre le piège à nous, s'il le déclenche sur lui, Jagan, il va se le prendre, hein, tout simplement. Donc là, parce que tu vas essayer de faire, à mon avis, c'est voilà de paralyser. Là, il va tomber sur le deuxième, crac. Ah, voilà, il est paralysé. On va appuyer sur le... Voilà, ils sont tous les deux dedans. Et là, vous allez voir si on est suffisamment rapide. Voilà, boum. Et Monique, elle va voler dans la lave. Et puis elle va crever. C'est juste énorme. Ah oui. Oh, non. Voilà, Monique... Normalement, elle la récupère en bas. Oui, elle réapparaît en bas. Oui. Enfin, logiquement, on n'aurait même pas dû réapparaître. Hein. Oui. Ouh, attention. Mais attention, parce que les ennemis sont quand même suffisamment agressifs. Là, on vous a mis des... Alors, à chaque fois, il y a une petite cutscene quand ils meurent. Également aussi, on peut voir leurs faiblesses. en appuyant. Bah voilà, bah, c'est ce que je disais, on peut prendre ses propres pêches. Alors pendant que vous êtes sur comme ça, bah c'est fini, hein. Après derrière on peut vous enchaîner comme on veut. Alors, ce qu'on peut reprocher peut-être au personnage principal, parce que bon, même si elle est mignonne, toute mini, etc., c'est que bon, elle est un petit peu lente parfois. Même si on a des mignonnes, mais un peu lentes. Oui, mais je pense que ça rajoute un peu ce côté, un peu comme ceux qui sont amateurs de Monster Hunter. Le personnage un peu lourd, vous voyez, qui rajoute un peu de stress et de difficulté. Un peu comme dans les premiers Resident Evil, quand notre bonhomme pesait 15 000 tonnes et que c'était stressant de se déplacer dans les couloirs sans savoir sur quoi on allait tomber. Là c'est un peu pareil, on évite de paniquer quand on se retrouve au corps à corps avec les ennemis. Ouais, ouais. Donc privilégier la fuite, hein, parce que on joue franchement une espèce de... comment je pourrais dire ça entre guillemets dans les jeux, c'est plutôt... voilà, qu'est-ce qu'il va se prendre? Qu'est-ce que tu vas lui mettre là? C'est quoi? C'est un vase? Il va prendre un vase sur la tête? Bah c'est raté. Bah il a raté le vase, bon. Bah voilà, donc vous voyez quand même, attention, les hitbox aussi. Je me suis plaint des hitbox, parfois. Oui. J'ai crisé. À tort d'après moi, mais... parce que voilà, le pendule, tu te dis, bah il est dessus, il y est pas, et voilà, il faut vraiment qu'il soit dans le piège, hein, même pas à côté des fois. Voilà, là par exemple, s'il attend vraiment, là je pense qu'il va le prendre, s'il est dessus. Ah bah non, voilà, il l'a pris. Crac. Ah voilà, c'est raté. Est-ce qu'il va se prendre ton vase? Oui. Ah non, vous voyez, vraiment, il y a des attaques qui sont vraiment extrêmement délicates à réaliser. Mais une fois qu'ils ont pris dedans, voilà, donc là on peut encore utiliser la touche de soin. Donc il y a plusieurs sorts, il y a aussi des trucs pour... parce qu'on peut aussi être pris dans l'électricité, on peut être paralysé, on peut être ralenti, on peut être glacé, on peut être brûlé. Et pendant qu'on est comme ça, on peut pas poser nos pièges. Oui, effectivement. Même quand on se fait toucher d'ailleurs, on est dans l'incapacité d'activer nos pièges. Et parfois on se fait démolir, hein, parce que des fois on se fait comboter par 2-3 mecs et là on se fait violer. Hein, c'est vrai que les combats de boss sont particulièrement intéressants. Oui, oui, parce qu'il y a des boss quand même dans ce jeu et si ils viennent pas tout seuls, hein, parce que bon, c'est des boss en même temps. Hein. Donc nous aussi on peut voler dans le feu, hein, si on veut, hein, c'est marrant, ouais, vous allez le voir. Heureusement on perd un petit peu moins de vie que nos ennemis, hein, c'est un petit peu long, hein, oh, voilà, ouais, on crame dedans. Ah, on brûle, je meurs. Terminator 2, là on ressort, ouais, voilà. Je crois que tu vas ressortir même brûlé. Ah non, ça va encore, voilà, ouais, ça va encore. Donc, bah, la particularité de ce Deception 4, c'est son gameplay. C'est vraiment quelque chose de très atypique. C'est très rare qu'on voit ça. Très original. Ça s'est peut-être déjà vu dans d'autres jeux. Mais là, vraiment, on essaye. Ça apporte un souffle. Ça... Bah, ouais, moi, personnellement, je l'ai trouvé super original, très vite prenant. Le gameplay, ça va super vite. On s'attendait à un jeu très compliqué. Au final, on prend très vite plaisir à enchaîner des petits combos de 4 à 5 hits. Un 8 hits pour la présentation d'ailleurs, mais bon, ça s'est fait en mode. Quand vous serez vraiment bon, vous pourrez peut-être même faire des 12-15 hits jusqu'à tuer un boss qui se bat avec 3-4 barres de vie. C'est le but, bien sûr, parce que c'est quand même un jeu de scoring, parce que le score, on peut quand même le mettre sur Internet. Des questions que vous pourrez vous poser sur ce jeu, le prix, parce que quand même, bon, voilà, 50 euros de base, tout de même. Et à mon avis, il se vendra pas 1 million d'unités ce jeu. Donc c'est un jeu de niche. Il y a des chances. C'est vraiment un jeu très à part, ce Deception 4. Mais qui peut soit vraiment vous énerver et vous balayer, c'est-à-dire en un instant, ou alors être super addictif. Moi, je le trouve très addictif. Je le trouve franchement addictif. Je le conseillerais sincèrement aux fans de Tactical. Que ce soit du Tactical à la Valkyria Profile d'ailleurs. Ou au Fire Emblem, c'est très prenant. Voilà, Deception 4 Blood Ties, hein, c'est que je pense que c'est comme ça qu'on dit. Ouais, j'aimerais juste rajouter une ou deux choses. L'héroïne est très mignonne, en plus elle a les yeux verrons, c'est parfait. Et n'ayez vraiment pas peur de la difficulté, malgré ce qu'on peut lire sur les forums. Pour tout amateur de Tactical, ça passe vraiment crème et c'est très très vite agréable. Et pour... Si on va avoir un 5, je pense qu'il faut l'acheter. Donc on va conclure là-dessus. Bon, graphiquement, c'est pas le plus beau jeu du monde. Mais ça reste respectable. Ça reste respectable. C'est vrai que on peut dire que les décors sont un peu vides, c'est vrai. Mais le but n'est pas là. Le but, c'est vraiment de créer vos combos avec vos pièges, avec vos stratégies. Voilà, c'est... Le jeu, plus vous serez créatif, je le redis encore, plus ce sera un jeu qui va vous plaire. Et donc, vous tomberez certainement... amoureux. Maintenant, si vous êtes une grosse brute comme moi qui est martelé les touches, je vous le conseille vraiment pas, hein, personnellement. Mais ça peut sortir pour vous des chantiers battus, Voilà, peut-être de tout ce qui se fait dans, génériquement actuellement. Voilà, ce Deception 4, il apporte un vent d'air frais, ça fait plaisir. Faut pas vous attendre à quelque chose de merveilleux, mais ça reste dans le domaine du correct. Pour ma part, c'est un bon jeu. Voilà, pour finir sur un jeu de mots pourri, je vous dirais que vous ne serez pas déçus. Ouais, voilà. En tout cas, au niveau des musiques, on n'a rien à dire, ça reste bien. C'est bon. On a parlé du scénario, c'est convenu. Mais ça, très convenu, mais ça c'est très convenu. Il n'y a pas vraiment de grande mise en scène, hein, c'est plutôt voilà, quelque chose de traditionnel. Hein. Ici, là, bon, la page de présentation, on va finir là-dessus. C'est de la cutscene, du blabla, de la cutscene, du blabla, un peu de fight. Ouais. Et on repasse tout de suite sur la cutscene, quoi. Donc c'est un peu comme on a pensé un peu à Catherine aussi à certains moments. Oui, 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 oui. C'est vrai que ça nous faisait un peu. Ça faisait penser à ça, que c'est un petit peu ces pièges qui sont là à droite et à gauche. Voilà, donc on voit un petit peu tout ce qui peut se produire. On se fait prendre dans des trucs assez. Voilà. Je sais pas ce que c'est ça. Alors ça, l'a pas encore débloqué. Voilà. Et puis bah, l'héroïne qui est la fille du diable. Et puis donc son but c'est de réveiller son père. Alors y arriverez-vous avec ces trois comparses? Allez-vous y arriver? Eh bien écoutez, c'est tout le plaisir qu'on vous souhaite, parce que je vais vous conseiller ce Deception 4. Mais alors attention, comme je le répète, je le conseille à un public averti. Voilà, ce sera mon dernier mot, Jagan. Si tu as quelque chose à rajouter, bah écoute, moi j'en ai fini avec là sur ce Deception 4. C'est 100% fun, c'est addictif, c'est plaisant, donc pas de soucis à ce niveau-là. Mais pas à tout le monde, pas à tout le monde. Attention, surtout au prix de quand même 50 €, hein. C'est pas négligé pour le portefeuille, et pour ceux qui voudraient l'acheter plus tard. À mon avis, ce sera pas, vous voyez, un petit peu quelque chose de petit sexy. C'est pour ça que moi, le PEGI 16, j'étais pas sûr, moi, mais bon, voilà, ça reste que mon avis. Bah écoutez, hein, merci encore de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie sur ce Deception 4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la vidéo, on tâchera de vous répondre. Merci encore à toutes et à toutes. Prenez soin de vous, faites des bons jeux. Celui-là, c'en est un. C'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Merci encore, c'était Rico et Jagan. À la prochaine. Prenez soin de vous. Salut. Salutations.